Moi je vais super bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. À chaque fois, je sais, je dis toujours le même slogan. Ça doit être fatigant à force, mais réellement je ne sais pas quoi dire d'autre à part ce slogan là. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui donc pour un haul promo Leclerc, parce que oui, vous savez que j'adore les promos Leclerc et les promos Carrefour. Et donc là, j'ai été faire un tour malgré moi, parce que l'année dernière, je m'étais forcée à pas aller faire les promos, parce que bon, c'est vrai que c'est tellement tentant, à chaque fois on s'en sort avec je sais pas combien de gel douche, je sais pas combien de shampoings, je sais pas combien de trucs, enfin bref. Et là, je suis passée devant et c'est vrai que ça valait quand même le coup. Donc, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir tout ça, de voir ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas tous les prix en tête, donc les prix que je vais vous donner, ça sera vraiment approximatif. Mais du coup, ça pourra vous donner une petite idée, un petit ordre de prix. Voilà, donc si ça vous dit, on va commencer de suite. Tout d'abord, j'ai trouvé, donc que j'avais trouvé il y a de ça 2-3 ans, j'ai retrouvé donc mes petits pots favoris de chez Corinne de Farm, qui sont les bains moussants où vous avez plusieurs senteurs. Donc vous avez à l'aloe vera, vous avez à la mangue, vous avez à la fraise, vous avez à la framboise, enfin vous avez plein de senteurs. Et donc moi, l'année dernière, je sais plus ce que j'avais pris, je crois que j'avais pris aussi vanille. Mais franchement, j'aime beaucoup la vanille, je sais pas, c'est une senteur qui me fait un peu voyager. Donc j'aime beaucoup, donc je me suis pris le bain moussant qui était aux alentours de 2€, qui était à 2€ je crois même. Ensuite, donc plus ou moins pareil, mais là qui est le sel de bain marin. Donc c'est à la mangue, toujours pareil, toujours le même contenant, la même marque et tout. Et donc là c'était à 2,80€ si je dis pas de bêtises, ou à 2,60€. Ensuite je me suis pris donc, vous savez que j'adore les produits pour les mains, surtout les crèmes lavantes. J'ai un énorme souci avec ça, mais j'adore ça. Et donc je me suis pris la crème lavante sur gras à l'huile d'amande douce et au beurre de karité, comme ceci. Donc pour les mains peau sèche et très sèche, je me suis pris du coup deux recharges, donc une recharge framboise et une recharge amande. Donc les recharges étaient à 30 ou 40 centimes si je dis pas de bêtises, et pour le gel pour les mains il était aux alentours de 1,20€. Ensuite je me suis pris donc un petit lot de déodorant à la vanille de la marque Mon Savon. Donc j'ai jamais testé cette marque là de déodorant, donc ça sera à tester, et c'est aux alentours de 2€. Ensuite, je me suis pris donc cette petite eau parfumée, les petits plaisirs que j'achetais beaucoup, j'étais obligée, ça sent tellement bon, que je mettais beaucoup quand j'avais 12-13 ans, j'adorais parce que du coup c'était pas cher, donc du coup ma mère elle m'en prenait des framboises, enfin plein de senteurs vraiment sucrées, senteurs bonbons, marshmallow et tout et tout. Et donc là j'ai pris la vanille Monoeil, et donc ils étaient à 2,50€ au lieu de 7€ ou 9€ si je dis pas de bêtises. Ensuite, je me suis pris de chez Revlon, donc vous connaissez mon amour pour la marque Revlon, j'adore cette marque de cosmétiques, enfin de maquillage, et j'adore surtout leur rouge à lèvres lipstick que je trouve hyper crémeux, hyper agréable, l'odeur, je suis totalement fan de l'odeur. C'est une odeur indescriptible, je pourrais pas vraiment vous la dire, mais j'adore cette odeur là. Et donc je me suis pris un rouge, donc ce rouge que j'ai sur moi aujourd'hui. Et je me suis pris un peu ce beige rosé qui est juste magnifique, qui est trop trop beau. Donc je me suis pris ces deux là et ils étaient à 3,95€ au lieu de 12€. Pareil, si je dis pas de bêtises, j'ai vraiment pas tous les prix en tête. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si je me suis trompée sur un prix ou quoi. Mais c'est vraiment approximatif. Hein. Restons avec le maquillage. Je me suis pris de la marque Miss Den un eyeliner liquide pointe fine couleur noire. Donc moi j'aime beaucoup la marque Miss Den, j'ai déjà un ou deux fonds de teint de cette marque là et j'aime plutôt pas mal. Et c'est vrai que vu que mes eyeliners sont quand même un peu vieux, je me suis dit allez pourquoi pas en racheter un autre pour voir, pour un peu changer. En restant dans le maquillage, je me suis pris le fond de teint donc, que j'avais déjà testé, que je connais, qui est le Dream Satin Liquide en teinte ivoire. Donc je me le suis pris parce que je l'avais beaucoup aimé, parce que j'adore la texture et parce que réellement j'adore les fonds de teint Maybelline. Franchement c'est vraiment
bah, mes préférés niveau fond de teint. Donc du coup je savais que c'était une valeur sûre, donc je me le suis pris. Ensuite, donc mon produit chouchou de cette vidéo, enfin chouchou je ne l'ai pas encore testé mais j'avais tellement envie de le tester, c'est le masque à la banane, donc de chez Garnier, le Fructis masque nourrissant, donc senteur banane. Je l'ai ouvert pour le sentir et il y a une odeur de banane. Mais c'est de la tuerie, ça donne envie de manger, ça donne envie de le manger le masque. Et en fait j'ai tellement vu de bons retours sur YouTube, j'ai tellement vu de bons retours sur internet. Et vu que là il était en promo et qu'il était vraiment pas cher du tout, je crois qu'il dépassait pas les 4€, si je dis pas de bêtises, bah du coup je me le suis pris. En plus je vois qu'il est vegan, qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur, qu'il est sans silicone. Franchement, il me donne extrêmement envie de le tester. Donc je vous redirai des nouvelles. Je pense même que je vous ferai une vidéo crash test, sincèrement. Il a l'air trop trop bien. Ensuite, restons dans le bien-être. Je me suis pris ces petits masques-là qui étaient à 50 centimes ou 30 centimes, je ne sais plus trop. Mais vraiment, ça ne dépassait pas les 1€. Donc je me suis pris le masque visage relaxant pour les dimanches. Et je me suis pris ensuite le masque anti-fatigue parce que quand je reviens du boulot, quand je me suis fait une journée de boulot, généralement je suis extrêmement fatiguée. Donc je me suis pris ces deux-là, pareil, à tester, je vous redirai des nouvelles, mais ils ont l'air vraiment bien. Déjà c'est Made in France, donc je pense que ça va être sympa. Ensuite, pour terminer cette vidéo, je me suis pris de l'eau Ushuaïa. Vous savez que Ushuaïa c'est la marque préférée de mes déodorants, je suis complètement fan de ces déos là, ça fait des années que j'utilise que ces déodorants là et il n'y a que ces déos là qui fonctionnent sur moi et qui ne me font pas transpirer. Et donc je me suis pris donc de l'eau comme ceci, donc vraiment avec des senteurs très différentes, Ushuaïa, que j'adore. Et puis voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Moi j'adore les promos Leclerc, franchement je... Voilà, moi je suis quelqu'un qui a plus ou moins un petit budget niveau beauté. Donc c'est vrai que de temps en temps j'aime bien aller à Sephora pour vraiment des palettes qui me tapent à l'œil. Mais sinon hormis ça, hormis Sephora pour les palettes, je prends vraiment tous mes cosmétiques à Leclerc ou Carrefour quand je fais mes courses quoi. Donc vraiment quand Leclerc ou Carrefour est en promo, je saute dessus parce que j'adore les produits. Puis en plus vous savez que j'adore Revlon, Maybelline. Donc on trouve toutes ces marques là en grande surface. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez craqué lors des promos Leclerc. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye!